Les amis, une petite pêche urbaine pour essayer de faire quelques cartes. Ah, la première enfin, j'ai commencé à m'inquiéter un petit peu. Une petite commune à Arras dans les Herbiers. Voilà, toute petite qui m'a fait un joli petit combat quand même. On est quand même sur un poisson de rivière, hein. Donc quand vous entendez les mouettes, c'est normal, on n'est pas loin de la mer. Donc voilà. Zou, allez, on va la remettre à l'eau. Comme je disais en introduction, on se retrouve sur une petite pêche urbaine, en plein centre-ville. Donc on essaye de faire une pêche de coup du soir. J'ai pas pu mettre la caméra avant, il y avait trop de visiteurs et de badauds, donc c'est pas évident. Bon là, je viens de faire une carpe, je suis pas capot, je suis content. On va essayer d'en faire d'autres, on vient voir. Alors je vous montrerai le poste après, mais c'est risqué, hein. Il y a autant de chance pour le poisson que pour moi, parce que je pêche vraiment dans les obstacles, c'est le but. Le but, c'est de faire un beau poisson. Bon, pour l'instant, je suis pas capot, je fais une petite carpe de 3,5 kg, mais ça fait plaisir, une petite carpe commune. Donc en termes de pêche, c'est une pêche à la pâte, au maïs, amorçage des pelés, un petit peu de farine. Enfin voilà, et de la lamie de pain. Le pain ici, c'est normal. Pourquoi j'ai pris du pain? Tout simplement, c'est que vous avez un arrêt pour les camping-cars. Et quand ils partent en vacances, quand ils s'en vont, plus ou moins, quand ils s'en vont, les camping-cars, ils balancent leur pain pour les canards. Et du coup, les carpes, elles viennent bouffer en dessous, quoi. Bon, il est bientôt 21h, il me reste à peu près encore 1h30 avant que la nuit tombe. Donc on va tenter le coup d'essayer de refaire encore un ou deux poissons, ça serait cool. Non, des pelés de 4 mm. Un peu de farine. De la F1. Un petit peu de maïs. Des pelés mous de fish and feed. J'en ai deux. Donc là, c'est crabberry, et l'autre, c'est banana. Et bien sûr, j'ai pris de la pâte, celle-ci, c'est une pâte au poivre, pour essayer aussi un peu sombre, voilà. Du pain de mie, du pain, de la mie de pain, pardon, je vais y arriver. Mon fond a descendu un petit peu, je vais remonter, faire des combats.
Vous voyez le poste, comme je vous disais, hein, sur la droite, c'est pas évident du tout. C'est risqué, mais bon, faut pêcher où sont les poissons. Dans leur zone de confort. Je me mets à peu près une sécurité d'un mètre pour être sûr d'avoir un peu de... avec la tension d'élastique et tout ça, pour éviter que le poisson parte tout de suite dans les arbres pour le contrer. Et, bon, c'est assez physique, mais j'ai la canne pour, hein, j'ai la multi-margine qui est bien faite justement pour des pêches de bordure et qui nécessite quand même de retenir un peu le poisson. Je suis monté en 30 centièmes. J'ai un bouchon de 0,4 g et un hameçon de 8 carpodromes. Tout en direct, et là ça rigole pas, c'est pas de la pêche finesse, là faut contrer quoi. En élastique je dois être monté en 3,5 je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai encore une petite tape. Alors le problème c'est que j'ai fait pas mal de rotangles quand même, on a les mêmes touches que ça soit de la carpe, donc au ferrage on a des surprises des moments, parce que bah du coup le rotangle il fait un saut il fait un sacré saut avec la tension de l'élastique, mais bon, il n'y a pas le choix. Hein, c'est une pêche virile. Là. On est sur une rivière, donc les poissons, c'est essentiellement beaucoup de communes. Et je peux vous dire qu'elles vont fondre beaucoup au bras. J'ai encore une belle tape là. Ah, voilà. Donc là, c'est un rotangle. Vous voyez, il y a des beaux rotangles à faire aussi, mais c'est pas ce que je recherche. Joli petit rotangle. Deux petits grains de maïs. Voilà. Sur un hameçon de 8, hein, je peux pas en mettre qu'un seul. Oh. Je vais finir par rattraper un petit rat. Oh zut, j'étais gêné par le rat, mais je peux vous dire que c'était parti là. Mince, loupé. Ah zut, zut, zut. Dommage. Ah, j'avais vu le bouchon qui commençait à partir dans le contresens du courant. Je vais vous faire une prise. Ouais, j'ai fait une carpe. Une belle. Ouais, une petite, 3,5 kg. Pour une fois que je peux faire le coup du soir. Attention, attention. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ah les amis. Bon, en tout cas, les carpes rentrent, on dirait. Je les sors pas aussi. Ça va tout le temps en direction sous l'arbre. Ah, et ça pépite à côté, là. Il y a de la carpe d'arrivée sur le coup, les amis. On se retrouve le matin, donc en fait j'ai pas pu faire la conclusion hier, j'ai été pris par la nuit. Malheureusement je décroche, j'ai mal pêché ou pas tellement bien compris. Soit harponné, soit décroché, je décroche 7 poissons, j'en fais une bien sûr. poisson difficile, donc comme j'ai amorcé hier, je tente le coup de revenir sur le même poste ce matin pour essayer d'en toucher un ou deux, ou de comprendre, voir si le poisson est plus... Et plus décidé à manger le matin que le soir, enfin on va voir. Voilà, donc on se retrouve sur le poste. Vous venez de voir, j'ai sondé, j'ai juste vérifié le niveau d'eau. Je vais éviter de faire de foutre le bordel sur le coup. Je remets pas d'appât, je remets rien. J'ai pêché hier soir, le poisson s'il est là, il est dans le coin. Je vais éviter de faire trop de bruit pour essayer de piéger un poisson rapidement quoi.
Voilà, c'est pour ça que j'ai juste vérifié mon fond par rapport à hier, parce que là, on est quand même, on est dans une zone maritime, hein, donc on est tributaire aussi des coefficients de marée, donc on peut prendre, perdre 10 ou 15 cm ou prendre 10 cm de plus de fond. Je voulais juste vérifier si tout était OK. Donc, toujours pareil, hein, j'ai les mêmes appâts qu'hier, on va essayer comme ça. Allez, on croise les doigts pour essayer de vous sortir un poisson et une touche en direct. Salut les amis, ouais, bah comme vous le devinez, la conclusion ça sera pas fait au bord de l'eau, sur ma petite rivière. La pêche du matin, je pensais que ça allait donner, en fait ça n'a pas été le cas, ça a été pas de touche du tout, pas d'activité, donc j'ai peut-être tapé un peu trop fort dans le cheptel, j'aurais peut-être pas dû retourner pêcher à cet endroit, mais j'ai voulu essayer pour me donner une avis. Bon, la vie est faite, hein, c'est comme ça quoi. Donc là on se retrouve dans l'Oise, sur l'étang de Mélo. Bon, malheureusement c'est pas pour pêcher, vous en doutez bien, hein, c'est pour autre chose, c'est pour des raisons personnelles et familiales. En tout cas, je voulais vous remercier encore des petits mots de réconfort, c'était très gentil de votre part. Je voulais juste pour terminer ce petit film, j'espère que néanmoins il n'y aura pas eu beaucoup de fiches, mais bon, vous avez vu l'approche. Je compte bien sûr y retourner et m'y réintéresser plutôt au mois de septembre, quand il y aura un peu moins de touristes, parce que là, franchement, pour pêcher, c'est pas évident. Il y a beaucoup de curieux, beaucoup de badauds, comme je le disais dans la vidéo. Mais c'est aussi ça, la pêche. Et puis, c'est un moyen aussi de montrer aussi notre passion. Ça peut éveiller des envies à certaines personnes. Et c'est le but aussi de ma chaîne aussi, c'est de faire découvrir la pêche et donner envie aux gens qui regardent de pêcher, pour ceux qui ne pêchent pas. Je voulais juste vous annoncer la petite surprise. On vous a peut-être vu, si vous me suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous devez être au courant. La petite surprise, c'est avec la société Carbox qui m'ont sollicité pour faire une box feeder débutant. Enfin, quand je dis débutant, c'est surtout le matériel que j'utilise. Et j'ai eu mes deux partenaires, mes charmants partenaires, qui est Preston Evasion et Fish and Feed, qui ont joué le jeu. Donc la box surprise, c'est pour début septembre, pour le 1er septembre. C'est maintenant les amis, c'est maintenant, je vous invite d'aller sur Carbox, vous inscrire, soit mensuellement, soit à l'année si ça vous intéresse, hein, ça touche la carpe. Il y aura d'autres surprises avec d'autres pêcheurs au coup, ça c'est ce que je peux le dire en tout cas, à suivre. Et en tout cas, si ça vous intéresse, n'oubliez pas, il y a un petit code Titi10 qui vous permet d'avoir un bon de réduction de 10% si vous vous abonnez à la box. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, le petit like. Ceux qui découvrent cette chaîne, abonnez-vous, rejoignez-nous. Et encore merci pour tous ces petits messages sympathiques qui m'ont fait chaud au cœur. À très vite les amis pour d'autres aventures. Ciao.